La nuit, il vous illumine. Un éclair de guenille. Tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Ah si. La Marseillaise. C'est pas n'importe quel jingle. Excusez-nous. C'est la France. Et oui les amis, on fête un anniversaire cette année. On l'a dit tout à l'heure, ça fait 20 ans, Tina, que votre carrière a débuté en France avec le masque de Zorro, donc c'est en 1998. Plus qu'une carrière, on va même pouvoir parler d'une histoire d'amour avec les Français. Et même s'il y a 20 ans, vous ne compreniez pas tout de notre langue, le français n'était pas totalement étranger pour vous. Cette langue, elle sonnait déjà quelque part en vous. Parce que ce que l'on sait moins, c'est que votre histoire d'amour avec la France avait démarré bien avant cela. Mm-hmm. En effet, votre nounou, qui était égyptienne, d'origine italienne. Votre nounou était polyglotte. Elle parlait sept langues, sept langues dans lesquelles elle vous chantait des chansons. Et dans ces langues, il y avait une qu'elle préférait par-dessus tout. C'était le français, notamment grâce à une immense artiste, Edith Piaf. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle pas, je la vois la vie en rose. Il me dit... Et puis, quelle beauté. Je vais pleurer, si vous pleurez, je pleure. Et puis en 2005, tout change avec l'arrivée de votre petit prince. Votre fils est né à Paris. Voilà, la France est à jamais gravée dans votre vie. La France, vous l'aimez, vous la parcourez pour vos tournées, mais aussi pour la découvrir en famille. Vous l'avez visité pour son patrimoine, son histoire, et aussi pour aller à la rencontre des drôles de Gaulois que nous sommes. Alors Tina, on avait envie de vous faire un cadeau ce soir pour fêter ses 20 ans de carrière en France. On a réfléchi à un lieu pour s'amuser qui résume le mieux toutes ces envies de découverte de notre France. Et c'est un village d'irréductibles Gaulois. Est-ce que vous connaissez le parc Astérix ? Pas encore. C'est un parc d'attractions. Je connais le parc Astérix, bien sûr. Vous le connaissez ? Bien sûr. Et bien alors, avec le parc Astérix, et c'est pas une blague, hein, Tina, on est vraiment heureux, on vous offre une journée dans ce parc d'attractions pour vous et toute votre famille quand vous le souhaitez. Chance. C'est pas une blague. C'est sérieux ? C'est vraiment très sérieux, absolument. Attends, à la fin de l'émission. Je connais parce que mon fils, ça fait déjà 3 ou 4 ans, et il me dit « Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir à Astérix, le parc Astérix avec moi ?» Je dis « Ben oui, mais je ne vais pas partir, je ne vais pas faire toutes les, comment tu les dis, attractions, les rides, attractions, ouais. Tu sais, les choses ouais, qui, les qui descendent. Ouais. Moi, voilà mon centre de gravité. Il est parti il y a déjà longtemps, Anthony, je te le dis. Mais je te dis une autre chose, j'accepterai avec énormément de plaisir de partir et passer une journée à Parc Astérix et je vous promets une photo. Ah bien sûr. Un petit selfie que j'ai détesté, en tout cas, c'est pas grave. Je vous ramène. Je vous envoie un petit selfie. Si en tout cas, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau, Tina. Mais c'est pas fini, parce que 20 ans, ça se fête en grand. C'est exceptionnel ce soir, on le fait pas habituellement, mais un auditeur pourra lui aussi gagner deux entrées pour le parc Astérix. Et c'est Tina, vous qui tirerez au sort tout à l'heure, le gagnant parmi nos auditeurs. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.